are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Voilà, très chers téléspectateurs, dans ce décor tout à fait particulier, nous avons l'insigne honneur de vous présenter Fond Musical dans un fond tout à fait particulier, bien sûr, concernant un nom, une attribution, un attribut, bien sûr, divin. Voilà, Jésus venant dans le monde, il a été prédit et il lui a été donné le nom d'Emmanuel, comme qui dirait Dieu au milieu de son peuple, Dieu avec son peuple, bien sûr. C'est le titre d'une chanson, d'une des très belles chansons, bien sûr, de Maman Bijou Bain, avec qui nous sommes sur ce plateau en ce jour, afin d'en décortiquer les contours possibles. Maman Bijou, bienvenue dans Fond Musical. Merci beaucoup, Frère Cédric. Ça fait longtemps. Très longtemps. Pourquoi? Bon, il y avait beaucoup de choses qu'on va en parler dans bien cette sûr. Émission, oui, oui, mais je suis là. Voilà, Maman Bijou est certainement là pour vous servir, très chers téléspectateurs, vous qui l'aimez. Prenez déjà, bien sûr, place dans cette émission. Alors, comme j'ai circonscrit les cadres, bien sûr, il s'agit d'Emmanuel, le tout dernier titre de Maman Bijou Ben. C'est vrai, n'est-ce pas? Le premier. Le tout dernier titre. Non, c'est le premier. Dans mon deuxième album. Ah oui, voilà, voilà, voilà. Donc, oui, Yasuka quoi. Album Yasuka. Album Aliboso. Yaliboso. Donc, Yaliboso, Sindeo et Bimaiki. On est album Yamibale. Yamibale. Oui. Ah donc, le premier titre oui. de cet album. C'est Emmanuel. C'est encore quoi le titre de l'album? De l'album. Bon, je n'ai pas encore donné. Ah! Je n'ai pas encore donné. Voilà. Nous parlons d'Emmanuel. Oui. Hein, combien de couplets, combien de refrains? Refrains Amibale, Misato. Misato. Mais quand même, moi, et l'Oroka est refrain. Oh, Yaliboso ou bien. Yaliboso. Yaliboso, ils avaient. Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel. Dieu parmi nous, Emmanuel. Dieu parmi nous. On a des refrains Yaliboso. Yamibale. Yamibale, ils avaient. Emma. Voilà, ouais, un peu comme des mimiques, hein, des choses comme ça. Voilà, on connaît aussi la musique. Un peu de zouk et de la rumba dans cette chanson. On peut dire que cette symbiose fait ressortir ce que est d'abord Maman Bijou, parce que elle est là, moi rumba, moi zouk. Et aussi la douceur de ce nom que vous chantez dans ce chant, Emmanuel. Parce que ce sont les deux rythmes qui ressortent vraiment la douceur. Oui. Bon, en fait, quand j'étais en train de travailler cette chanson, adoration mais j'avais trouvé que Simba quitté. Alors j'avais trouvé que adoration ana et Simba quitté. Au fur et à mesure qu'on était en train de répéter, un jour, mon fils là, il m'a donné le rythme à zouk. Et quand j'ai essayé de simbaki, c'est quand j'ai pris ces zouk là. Et à on dit maté que non, zouk na rombe au simba. Et le jour qu'on est allé au studio avec mon ingénieur Patrick Ngoto, il m'a dit non, oh, ils ont friends et mon mère, tout ça là en haut. Mais baronios, tout ça là zouk à part, tout ça là haut à part. Je les ai dit non, les deux là, ça va aller. Est-ce qu'on peut avoir l'ancienne version là? Oh bah non, mais neti neti moi. Ah, on est si na longo là, on a kaka kaka vraiment. Ah, c'est na bon ça. Et où mais tu te manques mon débat n'est passé tout mon au travail. Voilà, nous allons boucler cette petite page artistique bien sûr de cette chanson
Emmanuel parla, bien sûr. Eh bien, nous allons entrer dans le fond de la chanson. Oui. Et Agindeni. Dis-moi, Emmanuel. Dis-moi, Emmanuel, Nazwakango, deuxième partie. Mm-hmm. Donc, Nazwakango, Emmanuel. À partir à. Mélodie mon boy frère nanga wana apeta ka synthé hein apesa nga mélodie mon nazara na zemi apesinga mélodie nazara nango na tablette pour na bo synthé tablette il fallait na ya nango alors na enregistré nango je dis je vais travailler ça au moment opportun na kanga ka place ya to ezara dans un marathon yo bundela kanga bitumba nga na longie yo pasola e balé ponga na katisa na ngambo ndonga na kanga na bon biango alors du jour au jour na bandai ko baksa mom kem keti na ninge comme dit on peut dire que le pasteur est aussi intervenu dans cette chanson non dans cette chanson non et ambalo vraiment pourquoi curieusement bon parce que moi-même j'avais dit je vais essayer d'abord ya kusa la loko moko ya ngamoko et quand j'ai écrit toute ma chanson là na pessié à corriger abinon ça va. Ah, oui. Ça veut dire que Maman Bijou a atteint déjà maturité, on peut dire. Bon, moi, je suis là, je suis là, du jour au jour, moi, je suis là, caca. Ce que, au bac, c'est moi, un pas, allez, je suis là, je suis là. Voilà, félicitations, Maman Bijou, d'avoir fait un pas de plus, bien sûr, amen, dans la composition. Revenons un peu à l'aspect artistique. Une partie à Likassi. Une partie à Kolwezi. On peut dire que bon, Maman Bijou a convaincu Naye Lubumbashi déjà, à Komo Kendesko, hein, bah, périphérie, à côté de Masolo. Bon, le clip d'Emmanuel, j'avais besoin de faire quelque chose au Moko. Où est Salimanante? J'avais besoin de Maï Moko Boye. Et d'ailleurs, au Tosala Kizaki, on a peiné la lingaïté. Parce que ce que je cherchais là, c'était un peu très loin. Et. Moi, bah, moi, et Kasaki, il y a mon atoko qui s'est demain, tout ça, là, il y a tout ça, Nyuana. Alors, c'est quand mon réalisateur m'avait proposé d'aller à Kolwezi. On est allé, on a fait ça. Alors, à notre retour, c'est quand des Tosoa qui m'ont parti, moi, à Kasaki. Juste, on a pu soit notre truc par Kasaki. Au Fandi, moi, Mamba, on est les Alaka. Et le voilà, on a eu un problème. On dirait au Fandi, Nicolas Mazembe. On abandonne raison. Oui, Mazembe Azaka. Équipe à Mazembe. Ah, en fait, bon, tout ça, je vais supporter quand l'équipe est là, bisous bien. En fait, c'est mon réalisateur qui m'avait dit Vandanetti, ah ouais, on s'en est au raisonné. Tu vois, avec Emmanuel, Dieu parmi nous, tu réfléchis. Quand je dis auparavant, je dis, au début, là, j'ai dit, il était une fois dans mon parcours, je commence à réfléchir. Si on a raisonné, on a raisonné. Et c'est comme ça qu'on a fait. C'était d'ailleurs ma question, dans ce clip-là. Dans la plupart des prises, vous êtes pensive. Oui. Pensive. Donc, j'ai la réponse. Ça veut dire que c'est un rapport avec le titre qui est Emmanuel. Emmanuel, que nous allons d'ailleurs vous proposer de suivre, bien sûr, avant de poursuivre dans cette émission Fond Musical. Dans mon parcours, na pensé la nongaï, na koutana ki ne lombe mo bali a solo, ba bengiye yo choua. Hamashia, oh. Emmanuel, Dieu parmi nous, na yambaye na vinanga. Lokola mokonzi mobikisi nakoma moto nesengo likolo ya Emmanuel.
ta présence me soutient. Yo bundela kanga bitumbanga na ndonge Yo pasola ebale pongana katisa na ngamwe Yo ndima ekotia nzube na moto Pongana zwelo biko ya ofele emananga ye Yesoko ta vinanga, stabilité installée. Yesoko ta vinanga, na koma biye mayamba, ikolo ya emaniwe. Mami benga bazambe, bazanga ko resiste. Liboso ya liwa, liwe mena bangoye, emananga. Emma, Tumba Maye, Emmanuel, Sua Kembo, Masia, Sua Lokumu, Yehoshua. Voilà, vous avez suivi ensemble avec nous ce clip merveilleux. Vous y avez mis beaucoup d'énergie, maman, aussi beaucoup de moyens. Bon, pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'énergie. Ah oui. Beaucoup d'énergie. Oui, oui. Pourquoi? C'est quelque chose. C'était, cette chanson-là, je l'aimais beaucoup. Mm-hmm. Oui. Et alors, j'avais dit, Narosala, oignon, c'est vraiment, il faut, Narosala, pour nous aimer, ça va bien. Voilà, Emmanuel, voilà les fruits. Hein, voilà les fruits. On encourage également l'excellence, bien sûr, merci. En tant qu'enfant de Dieu. Alors, vous avez dit que vous êtes inspiré. Un jour à l'église, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de titres, Emmanuel. Hein? Beaucoup. Et bel et vraiment. Un éti. Emma, Emma, Emmanuel. Avec Yannick Toumba, il y a... tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Avec la sœur Dena Moana, il y a... Emma, Fongolo Yanga Lola. Emae. Ça, c'est le frère Michel. Hein? Oui, le frère Michel Bakenda et le frère Enoch. Il y a également le frère Moïse Mbi qui a chanté Emmanuel, mais c'était. Voilà. Il y en a beaucoup. Hein? Hein? Il y en a beaucoup. Il y a également Emmanuel du groupe Gaël. Okay. Gaël Musique, dans leur dernier album. De tous ces titres, Emmanuel, lesquels vous a inspiré? En tout cas. Attends, mon côté. Parce que, Nazaki n'a pas de moutoute ici. Je me disais, c'est maintenant à Wandengo Zoloba, Nde Yelinga. Ou sinon, ceux qui que Nae Baki, Isaki Ba Emmanuel et Bélé, je pouvais changer les titres facilement. Comment ça? Bon, et aux années, Neti Nalandissi Manusus. Oh, et le ronga na yembi, et ça inspiration ronga na zoaki. Koutou, na banze monanga, et ça nga na pesi ma kombote. C'est comme Emmanuel. Emmanuel, c'est mon ingénieur qui a écrit ce mot. Emmanuel. Emmanuel aussi, il a sous-titré. Oui, Dieu parmi nous. Ouais. Et il y a aussi l'une de mes chansons, le titre c'est Identité. Mais il y a combien de mots centre. Tu vois. Ah, oui. Donc c'est un peu ça. Mais on peut dire que de tout ça, il ressort quand même. Un message de l'heure que Dieu communique à son peuple. Oui. Pour dire au peuple de Dieu de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas pleurnicher. Parce que Emmanuel, qui veut dire
Dieu parmi son peuple. Oui. Dieu est avec eux. Oui. Et plus question de quand même de pleurer, de se lamenter. Prier, de se lamenter, oui, oui. C'est quand même, au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'Emmanuel, c'est quand même pour la gloire oui, de Dieu. Oui, bon, quand il avait écrit ces titres-là, et on avait jugé bon de laisser. Alors c'est maintenant là qu'on arrive à comprendre que bah, Emmanuel, c'est comme la chanson là des frères Bakenda, non, des frères Bakenda. Oui. Souvent on chante ça à l'église, hein. Alors je ne sais pas le titre c'est quoi. Je ne connais pas, je ne savais pas le titre, mais Emmanuel, il y a qui frère Tumba, Yannick, ça c'est mon fils là qui chante. Beaucoup, alors on a eu que non, Isa Emmanuel. Et bon, en tout cas, je n'étais pas inspirée là-bas. Ok, vous ne vous êtes pas inspirée hein, de tous ces titres Emmanuel. Oui. Mais lequel vous plaît vous plaît plus? Moi, j'aime, comme j'aime la rumba, j'aime beaucoup pour le frère Yannick Tumba. Oui, oui. Emmanuel. C'est ça que j'aime. Voilà, merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir, très chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, vous encouragez également vos musiciens préférés qui passent dans cette émission. Nous recevons vos SMS et nous les transmettons à qui de droit, bien sûr. Ne croyez pas que vous n'êtes pas suivi. Baniel Ndila, surtout à toi, Kado Nayo Yangoana, bien sûr. Voilà, alors, Emmanuel, c'est ça le nom du Christ qui est énoncé dans Matthieu 1, 23, quand on annonce la venue du Christ, bien sûr. Mais il y a cette façon de faire actuellement par les musiciens qui pour moi, bon, j'aime pas trop, mais on coupe ce nom-là, Emma. Ça fait réfléchir un peu à Emmanuel comme prénom, prénom qu'on donne aux gens. N'est-ce pas ça, maman Bijou? Oui, bon, vous savez, avec nos chansons aussi, hein, il dépendra qu'à peine à ma façon, ma refrain, bozo et imba. Par exemple, j'avais entendu aussi un pasteur là qui, c'était à la radio, hein, il était en train de faire des remarques à nous, les musiciens, qui dit non, ponanini, boimba, rara, que non, Emma. Que il faut chanter Emmanuel. C'est vrai, on doit chanter Emmanuel. Mais il y a un refrain, sous ce obiyembi, Emmanuel, Emmanuel, ou ane obima bien te. Tu vois, comme par exemple la chanson de Yannick Tumba, Emmanuel. Voilà, c'est ça. Ce que ça va dire, Emmanuel, et aussi Mbate. Tu vois, il dépendra peine à l'arrangement. Donc, c'est juste une question artistique. Bon, surtout, en tout cas, ça, on a bien. Voilà, donc vous avez la réponse par rapport à cette façon d'abréger Emmanuel, qui est Emma. Ça ne veut pas dire qu'on abrège ce nom-là. Voilà, bien sûr. Ce n'est pas Emmanuel Kabamba qui est en train d'être chanté dans ce chant, bien sûr. Alors, attends, ma koufi, na ko se quoi, na mokolo ya souka. Atana koufi, na ebi na ko se quoi, mokolo ya souka, emananga. Yaya baleke, yaya, yaya e. Assurance wana e outi ak. Ah, ngambo ngazamo wana nzambi. Tant on a dit maki nzambi na salaite, nan dimaki na loyengete. Nan dimaki pona ebi ke lo leza. Oebi a faire à l'eau la basara na ngote. L'eau la pena. Il va passer à la ngote. Wana pena l'eau la basara na ngote. Je sais que j'ai cru au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur et mon objectif est ça pour kota l'eau là. Avec tout ce que je fais là, atana zoa, na zoa te mais essentiel que ata ko fanda likolo ya ya crocodile, ata ko fanda tout ça, c'est ça comme objectif final. Lola. Oui. C'est pourquoi vous avez accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Bien sûr, d'ailleurs, au début, vous dites, hein, il était une fois dans mon parcours. C'est ce que je dis. J'étais païenne et il s'est fait qu'une fois, tu as été un Nayambi et puis le col à mon conseil mobile qui sinanga et na comme il peut moins na et na changer pas d'identité. Alors que représente Emmanuel pour votre vie personnelle? Emmanuel pour votre vie personnelle. Il représente pour moi beaucoup dans ma vie, beaucoup.
Il est là pour mon maître. Oui. Beta ngona nkaka. Na beta ona. Ka isika. Na solo. Isika ozo isika ozo beta wana. Isika ozo lo ba sa liona. La vie. Na vie na. En plus, on enchaîner na moi, hein, moi oyé azali. Waouh. Na nzembu na kapela. Na nzembu. Il était une fois dans mon parcours, na banzela na ngai, na kutana ki nelombe mobali ya solo, mbabengi ye ye o choua. Hamashia. Donc, aza moutou moko boye, o ya sala, o eleke la maye la batu nyos, o eleke la pe baboti nanga, o baboti nanga bakoukai ko sala te menzam basalan. La preuve année que babo tinanga balakanga que non to rosale lobo to rosale lobo lelo onga na zolo baba onyoso bakufa mena tikala na Emmanuel oya salanga bolamu oya pesanga pe libala oya pesanga pe bana oya sala que to yeba na ba paroli to yeba na bino nyoso oya sala que pe na yeba na pe na momoki talaka bébé Abel vraiment c'est un peu ça. Voilà, nous sommes presque à la fin, presque vraiment. À la fin de cette émission, très chers téléspectateurs, les questions sont multiples, mais on est obligé bien sûr d'arrêter par là. Maman Bijou, oui. T'as là dans moi caméra moko. Wow. Voilà, t'as là dans moi caméra moko. Je voudrais que vous puissiez ressortir un message particulier de Emmanuel que vous allez adresser à notre multiples téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment. Question bien sûr, les encourager également dans la foi. Il y en a qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Pour rappel, Emmanuel parle uniquement et exclusivement de Jésus-Christ, oui. De sa venue dans le monde. Oui. Alors, un message de ce genre à tout le peuple de Dieu qui est en train de nous regarder. Vraiment, un message adressé au peuple de Dieu et que je vous exhorte d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est le seul qui donne la solution à nos problèmes. Il est le seul, le consolateur des âmes abattues. Il est le seul qui donne la solution à tous nos problèmes. Alors, toi qui traînes encore dans le monde, tu peux tout faire dans le monde, tu n'auras rien comme salaire. Mais la meilleure des choses, je te demande de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne de la valeur, c'est lui qui donne l'or et l'argent. Dans ce monde, on peut tout faire, mais l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, l'andanzela ayesu, oroko manakana. Voilà, l'andanzela ayesu, oroko manakana. Mais nanzembo lobi, bolingo yanzambe, eko komisayo, tinalola. Oui, mais envoûtement ya satana, eko zindisayo nde na mai. Merci très chers téléspectateurs. Suivez Fond Musical prochainement avec le même et réel plaisir. Merci à Rolich Banda, merci également à Godefroy Mbouya, merci à tous les téléspectateurs. À la prochaine.